Décembre 1999, fin du millénaire. Violence, technologie et superstition envahissent le monde. La civilisation s'emballe, flirtant avec le chaos total. Dans cette ambiance survoltée, nos héros découvrent un mystérieux cube d'iridium qui les propulse dans une course à travers le temps et l'espace. Objectif, récupérer 6 poignards sacrés. Enjeu, vaincre la bête de l'apocalypse. Adversaire, le boucher, un tueur surhumain au terrifiant pouvoir. À l'arrière-plan, des forces inconnues s'affrontent. Qui sont-elles? L'heure de l'apocalypse a-t-elle sonné? Où conduit l'énigme du réseau divin? Et donc, nous avions laissé nos 4 héros alors qu'ils prenaient le second Nexus. Vous entendez des grincements de coque alors que vous ouvrez les yeux. Fragrance du sel et de bois précieux. Le soleil de midi caresse les eaux des Caraïbes, tandis que vous réveillez dans la cabine d'un galion anglais. Vous regardez les uns après les autres. Camille. Stan. Reinhardt. Et Josh. Joli. Par contre, vous n'avez pas les souvenirs de vos hôtes. Vous connaissez juste vos noms. Lady Lisbeth. Voilà. C'est magnifique. Alors, je suis l'épouse du capitaine Clive Bryan, mère de Violanta Bryan. Mais qui est Violanta Bryan? Qui est Clive Bryan? Stanislas. Et là, je regarde d'un air paniqué les autres. Il semblerait que je sois le capitaine du Queen Elizabeth. Je suis Sir Clive Byron, mari de Lady Elizabeth et père de Violanta Byron. Je suis Cascade, serviteur indien fidèle du capitaine Byron. Je suis donc Violanta Byron, fille de Lady Elizabeth et de Clive Byron. Et c'est ça que ça fait? Putain, c'est bizarre. Dans ta poche, tu as un journal de bord. 7 juillet 1703, pointe ouest de Cuba. Nous touchons au but. Nous, corsaires au service de la reine, allons retrouver le trésor de Morgan, le pirate, notre prisonnier. C'est alors que vous êtes sorti un peu de votre rêverie, votre malaise à chaque fois de rentrer dans de nouveaux corps, par un bruit de chaîne. Et vous voyez un visage dans une semi-pénombre qui vous regarde. Et elle a l'air assez vieux. Ventre Dieu, vous étiez mort ou je m'appelle plus Morgan? Par quelle diablerie! Ventre Dieu, je crois que je suis vivante. Il n'a pas le temps de finir sa phrase alors que vous entendez un canon. Il regarde par la fenêtre. Sang du Christ, les Espagnols! Montez commander vos hommes et surveillez ma carcasse si vous voulez mon trésor! Ah putain, mais on n'a pas 5 minutes tranquille! Je regarde ce que j'ai autour de la ceinture. 2 pistolets, 2 coups, 1 sabre. Je dégaine le sabre, je prends l'un des pistolets que je regarde un peu. Je l'arme et je me dirige vers la sortie de la cabine. Lisbeth, toi, tu as un pistolet 2 coups. Ok. Violenta, tu as un fouet et une rapière. Alors que toi, Cascrane, tu as 4 pistolets, 1 coup et une énorme hache. Ok. Bon, ben. Je regarde Morgane. Bon, ben, qu'est-ce que vous avez regardé? Allez combattre ces Espagnols! Je regarde les autres, je... Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pas vrai, mais quelle situation de merde! On est grave. Bon, bah, on monte, on va voir. Et juste avant de sortir de là, je me tourne vers mes compagnons, je dis: restez groupés! Bah, s'il faut rester groupés, faut le suivre. Oui, mais je sais pas me battre, moi. Tu crois que je sais me battre, moi? Et avance. Vous arrivez sur le pont, et vous voyez que la bataille fait rage, un navire espagnol, qui est en train de vous aborder. Et vous voyez que les hommes ne savent pas trop, et
tu vois un homme hein, qui vient vers toi justement, Stan, et qui te demande « Capitaine, quels sont vos ordres ?»« Tous aux armes ! Tranchez les filins ! Contre-attaquez ! » !»« Tous aux armes ! Tranchez les filins ! Prêt à contre-attaquer !» Et je m'élance dans la bataille en criant « Pas de quartier !»« Pas de quartier !» Et toi, tu vois, en fait, compte à Camille, hein, un mousquet qui tombe à tes pieds, en fait. Il a l'air chargé. Je le prends. Ok. Tu ramasses le mousquet. Je ramasse le mousquet. Vous autres, que faites-vous ? Je regarde un peu... Au-devant, les navires espagnols, ils sont proches. Il y a un navire espagnol, oui, il est assez proche. Hein. Il y a okay. Certains même qui commencent à sauter sur le pont. Hein. Certains sont justement en train d'être réceptionnés par certains de vos hommes. Hein. Dans ce cas, je prends mon fouet et je m'avance en hurlant « Nique les Espagnols !» Il y en a certains qui lèvent leur sabre. Hein. Nique les Espagnols! Et si tu veux, tu as porté pour donner un coup de fouet sur un des Espagnols qui est en train de monter sur le pont. Eh ben, on va faire ça. Et ça passe pas vraiment, en tout cas, ce que tu voulais faire. Hein. Peut-être choper au niveau du cou ou un des bras, t'y arrives pas. Hein. Mais en tout cas, le claquement lui fait tomber en arrière et... Ah! Et t'entends un gros plouf, en fait, hein, provenant d'en bas. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas mal. Stan. Je m'avance dans la mêlée pour repousser un maximum d'assaillants qui viennent dans notre direction, histoire d'avoir un bon point de vue pour repérer éventuellement le capitaine adverse, qui doit se trouver sur l'autre bateau. Le meilleur point de vue, ce serait d'aller à la barre, de remonter au niveau de la barre. C'est le meilleur point de vue que t'aurais. Et ben on va faire ça. Donc tu commences à passer entre tes hommes, hein, tu cries des ordres et tu commences à aller vers la barre. Camille. Qu'est-ce que j'ai en face de moi ? Qu'est-ce que... Plein de choses, plein de monde. Je sais pas ce que je dois faire. Vous êtes sur le pont en fait, hein, et tu vois des Espagnols qui sont en train d'arriver, vos hommes qui sont en train de se battre. Hein. Si tu veux, tu peux te tourner et donner un coup avec le mousquet que tu as. Hein. Mais c'est parti. Ouais. Et en fait, hein, voilà, ça a fait long feu et le coup n'est pas parti et plein de fumée qui arrive devant toi. Tu vois même plus grand chose, hein. Reinhardt. Je dois faire quoi ? Je sais pas, il y en a des qui vont rester groupés, il y en a un qui part. Camille, je fais quoi ? Camille, en fait, il est hyper musclé, hein, c'est vraiment... Je prends fébrilement ma hache à deux mains et je fais... Ah, je fonce sur le premier qui est devant moi. Et en fait, t'arrives, hein, et tu donnes un coup d'une violence, hein, qui fait voler l'Espagnol et qui retombe sur le pont en face, hein, sur son bateau. Et tu vois les hommes qui sont autour de toi. Ouais, casse-crâne avec nous. C'est ça que ça fait d'avoir des muscles. Josh, t'as un Espagnol qui vient sur toi et qui t'attaque. Je peux tenter une esquive ou pas ? Tout à fait, oui, avec un jet d'agilité. Et tu fais un mouvement de côté assez facilement, hein, et lui, son épée, en fin de compte, hein, vient se planter sur le pont du navire. Hein, et t'en profites, toi, hein, avec ta rapière, tu lui plantes au niveau de la gorge. Oh, et il tombe au sol. C'est pas mal, ces choses-là. Stan, toi, tu en as un, en fin de compte, hein, qui avait pris justement une corde, hein, et qui arrive, et juste devant toi, un Espagnol. Alors, je veux l'embrocher et saisir sa corde en même temps. T'es déstabilisé, parce que toi, t'es en train de monter, en fin de compte, hein, et lui, il est en hauteur. Lui, par contre, essaye de t'attaquer. Mais pareil, hein, donc en fait, hein, vous parez les coups l'un l'autre, hein. Reinhardt, t'as un Espagnol devant toi aussi. Alors là, j'essaie de prendre une voix menaçante. Je lui fonce dessus, j'essaie de lui planter la clash. Donc, le but est de lui faire peur en même temps, au cas où il sera très bon. Vénère. Bah, tu lui fais peur, hein, et tu lui donnes un coup de hache, hein, d'une violence, et en fait, tu lui tranches le crâne, hein. Allez, tous avec moi! Il s'écroule au sol.
Toi. Fais ce qu'on peut. Camille, toi, ouf, tu sors de ce nuage de fumée noire, hein. Que fais-tu? J'ai une arme à la ceinture. Oui. Et ben je la oui, prends. Oui, t'as un pistolet. Et si j'en ai un à porter, ben je tire dessus. Bah toi tu vois justement celui qui est en train d'affronter Stan. Eh ben c'est parti, j'ai prêté main forte. Et il se prend le coup en fin de compte, hein, estomaqué. Stan, toi t'en profites à ce moment-là, hein, pour justement l'embrocher avec ton sabre, hein, et tu récupères la corde. Okay. Josh. Je fais claquer un coup mon fouet sur le sol et je hurle « Oh canon, bande de cloportes, pilonnez-moi ça !» Et tu donnes un coup de fouet « Oh canon !» Et t'as tout de suite, en fait, hein, celui, le tatoué, hein, qui était pas très loin. « Oh canon, bande de cloportes, et faites-moi rugir ces canons jusqu'à ce que la mer soit rouge !» Et tout de suite, des hommes, en fin de compte, hein, qui commencent à charger les canons. Reinhardt. Je suis un peu engaillardi par ma force. J'essaye, tu vois, d'aller dans la mêlée et de faire tournoyer ma hache avec sur un maximum de gars qui essayent de monter à la rambarde, là. Et tu fais tournoyer ta hache, hein, et c'est plus impressionnant qu'autre chose, hein, mais tu vois, les Espagnols, en fait, hein, sont un peu paniqués autour de toi, hein. Mais les hommes qui sont autour de toi, eux, en profitent, en fin de compte, hein, et deux Espagnols meurent à côté de toi. Stan. J'enroule la corde d'une main, et j'ai rengainé l'un de mes pistolets, j'ai le sabre dans l'autre. Je monte sur la rambarde, j'essaie de repérer le capitaine adverse, le mieux habillé, celui-là qui a peut-être le tricorne le plus orné, et je vais m'élancer pour atterrir le plus proche de lui. Ok, bah tu vas me faire un jet d'agilité. Et tu pars en fin de compte, oh et... Tu arrives, hein, donc tu es justement à côté de la barre. Hein, y a trois Espagnols qui sont là, dont celui que tu penses être clairement le capitaine. Je vais essayer d'assurer ses arrières. Je suis à portée des Espagnols ou pas? Oui. Bah, j'essaye d'en prendre un, pas forcément le capitaine, mais celui qui est le plus proche et le plus éloigné de Stan pour éviter de le toucher, hein, si jamais. Tu grimpes en fait, hein, t'es à côté de la barre, t'as tiré le deuxième coup, hein. Bon, peut-être un petit peu loin, t'as bougé un petit peu, lui a bougé un petit peu, tu ne l'as pas touché en tout cas, tu l'as un peu déstabilisé, hein, et c'est vrai qu'il a tourné la tête vers toi, hein, le déconcentrant en tout cas. Salut mon chou. Stan. Je vais m'avancer vers le premier Espagnol qui vient et je vais essayer de l'attraper avec mon fouet. Ouais. T'essayes, hein, mais bon, t'as loupé en fait. J'ai pas l'habitude. Clairement, hein. Voilà, c'est ça. Hein, c'est... Ouais, tu sens que ce corps a l'habitude, mais toi, peut-être moins. Allez, on les repousse! Le premier qui faiblit, je le fous en pâture au requin! Mais t'entends la voix fébrile, quoi. C'est vraiment le mec dans la panique, il dit tout ça, il essaye de faire ce qu'il peut. Et. Tu dis ça, allez, on les repousse! Et tu avances en fin de compte en faisant des moulinets avec ta hache, hein, faisant reculer trois Espagnols qui étaient devant toi, en fait, hein, jusqu'au niveau du bastingage, en fait. Et t'insistes un peu, hein, et puis. Et pff, tu les entends tomber à la mer. C'est qui le suivant? Stan. Coup de sabre, je me focalise sur le capitaine adverse. Et si dans l'élan, je peux toucher son escorte, pourquoi pas, un point d'héroïsme. Meurs, chien d'Espagnol. Lui a tenté, en fin de compte, hein, de se reculer, hein, et t'arrives, hein, et tu embroches, en fin de compte, le capitaine espagnol. Hein. Meurs, chien! Tu retires ton épée, hein, ensanglantée, et tu vois son second qui est là à côté, avec sa rapière qui... Un peu paniqué, en fait. D'un coup rapide, je fais siffler ma lame sous son nez, sans le toucher, histoire que le sang de son capitaine lui gicle dans la tronche. Ok, tu vois qu'il il est un peu paralysé comme ça. Camille. Moi, je vais ramasser un sabre. Est-ce que je peux passer de l'autre côté ou il y a encore du monde sur le bateau, hein? Il y a encore un petit peu de monde sur votre bateau, hein, mais tu vois que entre d'un côté Casse-Crâne qui est en train de te faire tournoyer sa hache, hein, et Violenta qui est en train de faire tournoyer son fouet, les Espagnols font pas les malins. Ok, je peux passer facilement sur l'autre bateau?
Avec un cordage, oui, tu peux. Bah, je vais essayer. Bah, tu me fais un jet d'agilité. Je me vive dangereusement, on dirait. T'as pas l'air bien confiante. Ah, plouf. Tu peux utiliser encore un point d'héroïsme, hein. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, ah, les oubliez pas ceux-là, hein. Ah bah oui, en plus c'est le truc que j'utilise jamais. Bah ouais, point d'héroïsme. Et t'arrives là. Et tu sautes en fin de compte, hein. Et les deux pieds en avant, en fait, hein, sur le deuxième homme, hein, donc celui que t'avais essayé de tirer dessus, en fait, hein, qui se prendrait deux pieds, en fin de compte, hein, et qui tombe à la renverse, hein. Le second qui est là, en fin de compte, retraite, retraite. Et c'est à ce moment-là où on entend vos cinq canons, en fait, hein, qui sont sur le côté, qui commencent à tirer sur le galion espagnol, hein. Peut-être falloir revenir. À l'abordage! À l'abordage! Et tous, en fin de compte, hein, vos hommes, hein, commencent à passer de l'autre côté. Et c'est un massacre de l'autre côté. Hein, vous êtes tous victorieux. Vive le capitaine! Vous faites des prisonniers? Bah, j'avais dit pas de quartier. Bah, donc vous en sauf avez si, pas. Sauf si on trouve des femmes. Ce qui m'étonnerait. Regarde juste le sous-officier, il a peut-être des informations sur je sais pas quoi. Bah, les autres, on les ouais, pourquoi pas. Je lui demande. Alors, saloperie d'espagnol, pourquoi je te tuerais pas? J'ai une femme. Je le jette à mes hommes. Ah, il se fait massacrer. Ah, c'est pas des. Pas des enfants. Non. Fouillez-moi ce navire de fond en comble. Prenez-moi tout ce qui brille. Prenez leur poudre, leurs canons, leurs boulets. Allez, nettoyez-moi ça. Écoulez-le. Pendant qu'ils font ça, j'aimerais rapidement aller réinspecter dans notre cale à nous. Ouais. Voir si Morgan est toujours là ou si. S'il n'y a pas un espagnol qui nous aurait échappé et qui aurait fait de la merde. C'est dans la cabine, en fait. Hein, tu vois que Morgan est toujours là, enchaîné. Hein, je dois vous féliciter pour avoir sauvé ma peau. Alors, plus pour moi que pour lui, je fais « Putain, j'adore être un pirate !» Tu sais qu'il fronce les sourcils, mais il moufte pas mot. Bon, s'il est toujours là, c'est l'essentiel. Dans ce cas, je me retourne et je m'en vais. Bah, de votre côté, hein, vos hommes, hein, commencent à transférer tout ce qui est transférable, hein, les mines, la poudre, les boulets, et ainsi de suite. Hein, de l'autre côté, tout ce qui est planche, et ainsi de suite, hein, aussi pour faire les réparations. Et vous retournez ensuite sur votre bateau, hein, vous faites couler ce galion espagnol par le fond. Cri de hurrah pour tout le monde. Ah, mais c'est la liesse, hein, c'est la liesse sur votre pont. Hein, tout le monde acclame le capitaine celui qui est parlé, hein, celui qui est tatoué. Hein, capitaine, quels sont les ordres? Remettez-moi ce rafio propre comme un sous-neuf. Je veux le pont qui brille. Je veux les cordages réparés et qu'on prenne la direction qu'on avait prise. Là, j'ai une petite goutte de sueur qui coule là sur le côté. Et tu vois qu'il se tourne. Vous allez me remettre ce rafio à flot. Et je veux que le sol brille ici. Hein. Je peux pouvoir me voir dedans. Et vous allez tout de suite. On prend la route vers Cuba, Los Palacios. Allez, que ça saute. Et tout le monde qui commence à s'agiter sur le pont. Et puis j'essaye de réunir un peu toute notre équipe de voyageurs, entre guillemets, dans un coin. Bah, vous pouvez retourner dans la cabine. Hein. Voilà. Et je rentre dans la cabine, j'essuie mon sabre. Moi, je fait ça toute ta vie. Hein. Moi, je vais m'écrouler sur un lit ou sur une chaise et je fais « Oh putain, plus jamais !» Comment ça se recharge? Moi, je rigole un peu et je fais « Putain, je le répète, mais j'adore être un pirate !» Donnez-moi ça, je vais vous le recharger. Non. C'est Morgane qui dit ça. C'est Morgane qui dit ça. Non, Stan, tiens. Si j'avais voulu partir, j'aurais déjà fait. Ouais, je m'assois et puis je le fixe, le Morgan. Et je regarde mes compagnons. Alors, il est où ton trésor? Puisqu'on a sauvé ta peau. Je vous l'ai dit, il est proche de Los Palacios. C'est où ça? On va nous donner plus de détails.
C'est sur l'île de Cuba. Cuba. Ouais. Non, mais j'imagine que tu vas pas nous cracher toutes les informations d'un coup, histoire de rester en vie suffisamment longtemps. Mais je vais même pas vous donner, je vais vous emmener. Je serai votre guide. Très bien. C'est bien ça, le deal. Tout à fait, en première ligne, pour éviter qu'on se prenne. Et vous, vous allez m'expliquer comment vous avez fait pour revenir du monde des morts. Ça pourrait franchement m'intéresser. Pour quelle raison serait-on mort? Je sais reconnaître quelqu'un qui est empoisonné quand je le vois. Et quand 4 personnes sont empoisonnées et qu'elles se relèvent de leurs assiettes, je sais le reconnaître aussi. Prenez pas Morgan pour un imbécile. On est dans la même galère, sur le même bateau. Donc j'en conclus que ce n'est pas vous qui nous avez empoisonnés. Il monte sa chaîne et j'aurais fait comment? C'est tout juste si je peux aller jusque la selle. Qui a apporté le repas, alors? Justement. Attends, Stan, ça veut surtout dire qu'on a des taupes dans cette équipe. Tout à fait. Je pense qu'on va demander au cuistot, déjà. Ça me paraît bien. Et c'est... qui nous a apporté le repas? Tu l'as vu Moi, je me souviens plus. Je vous rappelle que vous avez une mission. Vous avez 48 heures pour retrouver un poignard. Hein, tout aussi. À fait. faut direction Cuba. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous êtes enthousiaste d'être des pirates là. Mais... j'ai pas envie de me faire retuer, tu vois. Oui, mais bon, enfin, le truc c'est que bon, le bateau avance pendant qu'on fait ça, donc techniquement, oui, on tue le temps comme on peut. Non, mais donc, tout à fait. Tant qu'à faire, autant essayer de trouver pourquoi est-ce qu'on en voudrait à notre cul et qui voudrait nous tuer. Encore. Je veux dire que le danger est toujours là. Ah oui, non, mais bien sûr. Je vais vous laisser avec Morgan pour qu'il vous raconte un petit peu de quoi est constitué son trésor, comme des choses qui piquent. Je prends une de mes assiettes, il y a de la nourriture dedans, et je sors de la cabine pour aller gueuler qu'on m'amène le cuistot. Tu permets, je t'accompagne. De toute façon, toutes ces histoires de trésor, moi ça me fait chier, je suis là pour la baston. Comme ça, peut-être que Morgan se sentira peut-être plus en confiance. Et nous en confiance, vous y pensez? Alors que tu sors donc de la cabine, hein, tu vois que toujours le même, cet homme qui est en train de gueuler des ordres, capitaine. Je lui tends l'assiette, tenez-moi ça et allez me trouver le cuistot et faites-lui cracher le morceau pour savoir pourquoi ma nourriture a été empoisonnée. Empoisonné. Et il se tourne vers deux hommes. Allez me chercher Marco. Camille, Reinhardt, vous êtes resté avec Morgan. Je regarde Camille. Faut qu'on le cuisine. Il y a quoi dans votre trésor? Je sais pas. Comment ça, il y avait quoi dans mon trésor? De l'or, des bijoux, une vie de piraterie. Est-ce qu'il y aurait des poignards? Poignard. Ouais, il y en a un. Je lui décris, il est comme ça? Ouais. Parfait. Ouais. J'avais trouvé dans des ruines Maya. Maya. C'est intéressant. Il y a aussi des tableaux. Ah! Non, il n'y a pas de tableaux. Est-ce que je demande s'il y a des livres, moi? Le gros mec avec une hache, il y a des tableaux aussi? Putain. Non, y a pas de tableau, je vous ai dit. L'or, des bijoux. Tableau, c'est encombrant et ça ramène pas trop. Et pourtant, ça vaut cher. Vous savez pas la valeur de l'or, vous. Alors, ça vaudra cher. J'ai pas le temps. Gardez dans mon état. Vous croyez que j'ai le temps d'attendre que ça vaille cher? Qui sait. Donc, le deal, c'était 50-50, c'est ça? Ah, bah, je veux bien prendre 50 maintenant, si on a révisé les affaires. On va tout aller à la couronne d'Angleterre. La couronne. Et en échange, ma liberté. Vous avez passé un deal avec la couronne. Ouais, bah, plutôt que de moisir en prison, je préfère ça. Après, vous voyez qu'il est vraiment très vieux. Hein. C'est vraiment un Morgan assez vieux. Vous voyez qu'il essaie d'être un peu vindicatif, hein, mais clairement, vous voyez qu'il est vieux, fatigué. On dirait mon vieux papy. Pas la forme, hein. Stan, Josh, on vous ramène le cuistot. Capitaine. Alors,
Alors, on m'explique pourquoi dans notre nourriture, il y avait du poison ? Je ne sais pas, capitaine. Je ne vous ai jamais empoisonné. Ça fait 10 ans que je vous sers. Eh bien, justement, est-ce que un nouveau commis ? Quelqu'un qui a pu s'introduire J'ai bien mon aide. Vos gamelles, ouais. Mais c'est un abruti fini. Il travaille bien, c'est tout. Amène-le. Et donc il repart. Hein. Et ah, bah justement, hein, t'as compris que c'était ton second, hein, ton Bosco. Hein, il dit Marco est vraiment un homme en qui on peut avoir confiance, capitaine. Vous le savez. Oui. Vous êtes bizarre, capitaine. Oui, mais... N'empêche que le poison qui se trouve dans cette assiette nous était destiné. Vous en conviendrez. Je comprends, capitaine. Mais pas Marco. Et là, je me penche un peu vers lui. Il suffirait tout simplement que la personne, je parle moins fort, hein, qui a fait ceci, cette tentative d'assassinat sur ma famille... s'aperçoivent que l'on fait fausse piste, et ça vous laisse libre cours pour mener l'enquête sur le véritable fautif. Je compte sur vous, mon cher. Et je ferai tout pour vous, capitaine, ou je ne m'appelle plus Robert Reed. Je lui pose une main sur l'épaule, je le salue, et bah, je retourne dans la cabine. S'il n'y a rien à signaler, effectivement, je vais retourner dans la cabine. Vous retournez dans la cabine, hein, vous retrouvez Camille et Reinhardt en train de parler avec Morgan. Alors, votre conversation était fructueuse. On a trouvé ce qu'on cherchait. Ah ! Très bien. À la bonne heure. Quand est-ce qu'on arrive ? On n'a pas beaucoup de temps. J'espère dans moins de 2 jours. Jette un regard vers le vieux, là. Tu vois, il sourit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous êtes qui, putain ? Si on te le disait, tu nous croirais même pas. Bon, de toute façon... on a du mal à y croire. De toute façon, Morgane, vu votre âge, vu votre état de santé, vu la longue vie que vous avez menée, il vous reste pas beaucoup de temps à vivre. Et de toute façon, qui pourrait croire l'histoire farfelue de 4 personnes mortes empoisonnées et qui reviennent à la vie sous vos yeux et qui sont à la recherche de ce poignard ? Ouais. Donc si on rajoute qu'on est des voyageurs dans le temps, on vous prendra pas plus au sérieux. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nous. Quelque chose. J'en ai entendu des choses, mais ça, je crois que c'est le pire. Des choses qui nous dépassent tous. Si tu savais. De loin. Vous avez certainement tout vu dans votre vie, mais alors là, ouais. Effectivement, ça dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce que je m'en rends compte. Et ça me plaît bien, votre histoire. On est dans la même galère alors, capitaine. Il élève la main. Je lui sers. Il crache. Pareil. C'est répugnant. Ah, je crois qu'on pourra s'entendre avec lui en lui laissant son trésor contre le poignard. Et il continuera sa vie. Non, mais de toute façon, tu sais ce qui va se passer dès qu'on aura le poignard. Ouais, mais donc, vous pourrez avoir tout votre or. Tout votre or contre le poignard, ça vous va ? Le deal est plus qu'honorable, je pense. C'est tout ce qu'on veut. Je vous amènera mon trésor, comme c'est convenu. Mais sachez quelque chose, Morgan. À l'époque où on vit, d'où on vient, nous, c'est-à-dire plusieurs siècles après cette époque, on sait qui est Morgan, qui il a été. À notre époque, vous êtes une vraie légende. Je peux vous l'assurer. Foutu voyageur du temps. Je suis rentré dans l'histoire. Ouais. Et pas qu'un peu. Et ben, je vous aiderai, Quadmogan. Le voyage continue, hein, et au bout de quelques heures, hein, Stan, hein, t'entends
Don Bosco, hein, qui appelle « Capitaine, Los Palacios en vue !» Tu vois, Morgane en fait. Qui fait « Méfiez-vous de Los Palacios, hein. Vous savez peut-être pas ce que c'est. » Dites-nous. Un repère de... pirates. Dirigé par Orzabal. Ouais. J'ai jamais entendu parler de celui-là. Un foutu repère de pirates. Mon trésor pouvait pas être mieux là-bas. Sous leur nez. C'est quelle ironie. Vous préférez garder ses fers ou être un peu plus libre de vos mouvements? Ah, je vais pas dire non si vous me libérez. Je commence à le détacher. Ah, ce que ça fait du bien. Je peux avoir un peu de rhum, capitaine? Servez-vous. Et tu vois qui va vers un tonnet et puis... Est-ce qu'on est sûr que c'est pas empoisonné, ça? On va vite le savoir. Bah, il faut qu'il nous montre où sont les poignards. Et tu vois qui... tu sais que c'est pas comme ça que Morgane meurt. Oui, mais il paraît aussi que son corps est pas au bon endroit. Donc est-ce qu'on sait vraiment comment il est mort? Ah, bah ça... Ah. Ça fait partie de la légende. Donc mais pas dans ton loop, Morgane. Donc, et donc vous arrivez à l'approche de Los Palacios, hein, donc un port de pirates, hein, un peu comme Tortuga en fait, hein, voilà. Et Bosco qui commence à donner des ordres, hein, et commence à vous mettre à quai. J'essaye de me souvenir du film Hook dans ma tête aussi. Ouais. Pour qu'il se fasse passer pour un pirate. Et là, je me rends compte qu'on est déjà à quai. C'est ça. Capitaine, vous vouliez être à la manœuvre, peut-être? Non. Faites. Très bien. Alors, moi, je mets en place les subterfuges nécessaires pour me faire passer pour un gars. Ouais, bah tu prends un chapeau, tu remets tous tes cheveux en dessous et tout ça. Voilà, t'as l'habitude, hein. Et très rapidement, oui, c'est vrai que t'as l'air d'un garçon, hein. Et donc, bah, Morgane qui sort de la cabine, hein, claudiquant un peu. Ah, que ça fait du bien d'être ici. Vous êtes connu dans le coin? Assez. Mais vous avez des amis? Des amis. Ou des ennemis? Je suis un pirate, dame. Ah, un pirate n'a pas d'amis. Ok. Des connaissances, tout au plus. Je suis juste qu'on n'allait pas se faire attaquer. Pense que ça devrait aller, enfin, si on se fait pas trop remarquer, on devrait passer tranquillement. En tout cas, c'est pas directement en ville qu'on va devoir aller. Mais j'ai caché mon trésor, je l'ai confié à quelqu'un. Ça se passe dans les marais. On y va? C'est parti. Je vais donner quartier libre à l'équipage, une fois qu'ils auront fini leur corvée en fait, hein. Comme ça pour qu'ils se détendent. Comme ça, ils feront un peu de raffus, comme ça, on pourra s'exlipser. Hop, bon, vite fait. Donc, bon, j'ai mes deux pistolets, j'ai mon sabre. Tant qu'on y est, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Mousquet, pistolet, pour les autres? Moi, j'ai bien qu'on recharge mes flingues. Bah, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Non, moi, j'en ai sur moi. J'aimerais bien me procurer une arme à feu, ouais. Mousquet ou pistolet, n'importe. Et je garde l'épée que j'avais ramassée, là. Le sabre. Ouais, bah tu peux avoir un pistolet de coup sans problème, hein. C'est parti. Je prends deux autres pistolets que je cale également dans ma ceinture, à la manière des gros pirates qui ont plein de flingues. Ok, ça marche. Donc à chaque fois, c'est des pistolets de coup, hein. Donc, Tout à fait, ouais. Mais vu quoi, que... On ne sait pas les recharger. Donc le but du jeu, c'est on reste groupé, on est avec Morgane, on s'éclipse et on va voir son contact. Et bien sûr, on prend de l'or aussi, des pièces, pour des éventuelles dépenses. Et en tout cas, tu vois ton second, hein, qui crie encore les ordres. Hein, et donc, bah, vous prenez la route, bah, vous traversez, hein, Los Palacios, hein, donc on me dit un repère de...
de pirates. Hein. Alors là, ça va, il est pas encore trop, la journée est pas trop, encore trop avancée, donc les gens sont pas encore trop éméchés, ainsi de suite. Hein. Et c'est vrai que c'est un petit peu mal famé. Hein. Certains, en fin de compte, qui te regardent avec des yeux un peu envieux, tu vois, Lisbeth. Hein. Et Reinhardt, il suffit juste que tu les regardes et tu vois qu'ils baissent la tête. Et tu impressionnes tout le monde, hein, toi. Je fais des grands yeux, mais plus moi de panique. Sauf que ça donne l'impression de gros yeux, genre vous me regardez pas de travers, sinon vous mourrez. Mais moi, c'est surtout l'air fou. Hein. Non, mais... je veux pas du tout qu'on me fasse chier. Laissez-moi tranquille. Donc, bah, vous traversez la ville. Hein, et, Vas-y, casse-toi. Pardon. Morgane, hein, toujours en claudiquant, hein, vous amène déjà, bah, il vous fait sortir de la ville, hein, et puis vous commencez à arriver. Dans le marais d'à côté. On va aller patauger ? C'est ça. J'en ai bien peur. Vous avancez, c'est vrai que ça vous prend bien une heure, hein, pour arriver jusqu'au marais. Et vous continuez à avancer. Hein, c'est vrai que bah, plus vous avancez, plus vous commencez à patauger. Vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Hein, ça sent pas très bon. Et donc, l'avancée est assez pénible. Hein. Et là, Morgane, j'ai confié mon trésor à Erzuli. C'est une mambo. C'était ma compagne. Mais bon, c'était tellement longtemps. Ben, ça fait plusieurs années que je suis en prison. Ah, j'espère qu'elle sera contente de vous voir. J'espère aussi. Et sinon, une mambo. Oui. C'est pas une sorcière. Ouais, une sorcière vaudou. Vous connaissez pas ça dans votre futur ? Sorcière vaudou. Si, la religion vaudou existe encore, mais... Plus tellement pratiquée. C'est pas très bien vu, on va dire. Mais j'imagine que ça n'est pas davantage ici. Vous savez, les créoles sont pas les plus... Mais ceux qui sont plus... Comment dire, le mieux vu, hein, voilà, peu de mal à m'exprimer. Mais c'est des bons gars en général. Contrairement aux pirates. Hein. J'ai de très bons amis noirs, j'en doute pas. Et donc, bah, vous continuez à avancer, hein, et c'est vrai que la nuit commence à tomber, une pluie fine, hein, qui commence à arriver, volant de pourriture végétale, hein. Et plus vous avancez, plus vous sentez épié en fait. Hein. Vous êtes ça a l'air la pute. Enfin, pas toi, Camille. Hein. Ouais, merci. Fais attention. Et là, dans ma tête, je fais mari, épouse, fille. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et continuez à avancer et vous arrivez à. Vieux cimetière en fait. Charmant. Je pensais qu'on avait touché le crumble du glauque, mais. Ouais, c'est encore un peu plus loin. Un fouet, un cimetière. On rappelle vaguement Castlevania. Quoi ? Oh, allez, c'est un truc du futur. Ça s'exprime bizarrement, votre fille. Ouais. L'adolescence. Et... Encore une heure, enfin un peu. Depuis que. Une heure pour arriver au cimetière et. Passer entre les tombes et vous arrivez à une vieille cabane. Qui semble abandonnée. C'est ici ? C'est là. Et vous voyez qui rentre, hein. Erzuli ! Erzuli ! Foutu, bon de Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Je rentre avec lui. Je reste devant la porte. Tu vois qu'apparemment, les meubles sont retournés. On a fouillé l'endroit. Ça paraît récent. Que quelqu'un a déjà rendu à votre femme. Rendu visite. Une semaine ou deux. Ouais. Vous avez parlé à quelqu'un d'autre de votre trésor ? Non. Personne d'autre. Quelqu'un pourrait l'avoir découvert ? J'espère pas. J'essaie de regarder pour voir si les dégâts qui
ont été occasionnés ont été faits par des êtres humains et pas par un homme doué d'une force surhumaine. Par hasard. Encore lui. Non. Non, ça a été fait par des hommes. Bon, ils étaient plusieurs. Sur eux-mêmes, des traces de bottes. Voilà. C'est... Moi, depuis qu'ils ont dit qu'il y avait un souci, moi, je regarde partout autour. Hein. Je regarde partout aux alentours, voir s'il n'y a pas quelque chose. T'es resté à l'extérieur, toi ? Ah oui, je suis à l'extérieur, aussi, et je regarde partout, paniqué. Est-ce que vous voyez des... Je dis ça de l'intérieur. Est-ce que vous voyez des traces Je regarde. Des traces à l'extérieur. Ils étaient plusieurs. Ils l'ont peut-être même traîné avec eux. Pour ceux qui cherchent, faites-moi intuition ou trouver objet caché si vous l'avez. Je leur sortis les aider personnellement. C'est vrai que vous fouillez, hein. Et bon, c'est compliqué parce qu'il pleut et tout ça. Donc, vous voyez, des fois tu vois des traces, hein, mais est-ce que ça vient de bottes ou autre, hein. Clairement, s'il y a eu des traces, elles ont été effacées par des intempéries ou autre. Donc, c'est très compliqué à dire. Rien, il fait froid, il commence à faire noir. T'as qu'à claquer dedans. Stan, toi à l'intérieur. Moi à l'intérieur, j'essaie de trouver des indices, quels qu'ils soient, des notes. Morgane, vous savez où elle l'a caché le trésor ou pas du tout? Bah, toi, t'es à l'extérieur là, t'es en train de fouiller. Non, je trouve pas d'indice à l'intérieur. Non, pour l'instant, tu trouves rien. Vous êtes trois dedans, dehors et un dedans pour fouiller. Donc, t'as besoin d'un coup de main? Ouais. Et puis j'essaye de m'éclairer, j'essaye de trouver une lampe aussi. Je viens l'aider parce que comme ça je me mets à l'abri de la pluie. Ok, ça marche. Bah, tu peux me faire aussi un jet d'intuition pour fouiller l'intérieur. J'essaie de trouver une lampe à l'huile ou de fabriquer un truc d'éclairage comme ça. Ça passe. Pour qu'on puisse trouver, alors, je sais Reinhardt, pas. Tu trouves un livre. Tanissa, regarde. C'est un Paul Vous. Bah, vas-y, c'est toi qui l'as trouvé. Deux versets ont été marqués par Erzuli. L'un parle du dieu de la mort et de la pluie. Ça te dit quelque chose, Morgane? C'est... traduction de la Bible Maya. Ouf. Bah, vu que tu la connais, peut-être que ça... t'auras peut-être des indices. Alors, le premier, c'est « Le prince et l'esclave se voilent la face, humbles sous l'eau du ciel, honorant le dieu de la pluie, puis sont mis au tombeau. Chapitre 2, verset 27. L'autre décrit la fin du monde selon les Mayas. Le déluge sort des nuages par la bête écailleuse noyant le temple, le roi et le voleur. Chapitre 5, verset 66. Ça pourrait... les chiffres, ça pourrait être des coordonnées. C'est court. Bah non, une longitude et une latitude. 5, 2, c'est pas ça? Ça peut pas être ça? Mais là, je regarde plutôt Morgane, qui s'y connaît mieux en cartographie que nous. Ah, vous croyez que les pirates utilisent des cartes? Non. C'est ce que les légendes retiennent. Il y a un temple dans le coin? Un temple? Un tombeau? Voile la face. Humble sous l'eau du ciel. Non, mais... il y a un tombeau pas loin. Faudrait se renseigner... en ville, peut-être, pour savoir où est Erzuli. Je pense que quelqu'un l'a prise. Vous avez des contacts en ville qui pourraient savoir ce genre de choses? Moi, non. Mais si vous avez des contacts chez les créoles, je pense qu'ils seraient en mesure de nous renseigner. Ouais, on a ça, nous? Non. Ouais. Camille, Josh, oui, vous étiez resté à l'extérieur, hein, et vous commencez à sentir du mouvement. Mais quelque chose... Vous voyez des ombres tout autour de vous. Ok, je sais pas trop. J'essaye de me rapprocher tout en faisant des pas vers l'arrière, quoi, des pas en arrière, pour me rapprocher de la cabane. Et je regarde en direction de Morgane et les autres. Et je très rapidement, je fais un mouvement de va-et-vient entre dedans, dehors, dedans, dehors. Pour essayer de leur signifier qu'on n'est pas tout seul. Qui veut ? Camille, hein, donc du coup, toi, t'es... t'es pas seul. Tu vois les ombres, hein, qui commencent à se rapprocher, mais tu vois qu'ils avancent lentement, en fait. Ah non, pas des morts-vivants ! Pas des morts-vivants !
à la lueur, à un moment, d'un rayon de lune, tu aperçois ça. Oh, vise la tête! Qu'est-ce que tu fais? Je vise la tête. Vas-y. Oh, les pauvres. T'en vois tout autour, hein, y en a beaucoup. Hein. Et vous, à l'extérieur, vous entendez un coup de feu, en fait. Hein. Tu lui as explosé le crâne, hein, et tu sens la créature qui tombe au sol. Vu que je suis dans la porte, j'ai vu ça aussi, je suppose. Toi aussi, t'as vu, hein, t'as vu le coup de feu, hein, et ouais, et vous voyez, il y a une vingtaine de silhouettes devant vous. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sors de la cabane, sabre au clair, avec un pistolet dans une main. Il se passe que tu me crois ou tu me crois pas, mais il y a des zombies. Faut se replier, faut pas rester là. Bon, regarde, une direction. Retournons à Los Palacios. Je sors et je cours. Ouais, enfin, entre nous et Los Palacios, il y a une vingtaine de créatures. Ouais, et pourtant, c'est là où il faut aller. Bon. On va, on les charcute. Oh putain, fouet des zombies, c'est vraiment Castlevania. Donnez-moi une foutue arme. Je lui passe ma rapière. Merci. Mais vous êtes fou. Prends ta hache, t'es dans le tas. Et putain, Castlevania. Allez, je prends ton flanc, j'essaie de me souvenir de son nom, Cascrane. Voilà, on va avancer tous les deux comme ça, là, on va rester sur nos positions et on va essayer de les charcuter au fur et à mesure. Ça te va? Mais t'es malade. T'as vu ce que c'est? Ça se rapproche de plus en plus, hein, de vous. Et vous entendez des bruits tout autour. Je reste un peu derrière vous, avec le fouet, je peux les atteindre un peu. Vous vous envoyez devant, mais... Il doit y en avoir tout autour. Hein. Il va falloir faire une percée, les gens. Alors, dans la panique, je fonce droit devant et je veux pas les taper. J'essaye de les envoyer valser, tu sais, comme si un footballeur américain essayait de se frayer un chemin dans le bazar. Là. T'essaies de les repousser avec ta hache, en fait, Je les repousse à chaque fois, mais sur les côtés pour me faire un chemin. Mais je cours, hein, je trace. Hein. Et moi, je suis dans son sillon et je dis « Allez, venez !» Commence à courir derrière le fouet à la main et... Bah je suis hein. Ah oui. Ça passe. Et donc t'en repousses d'un côté hein. Et tu repousses de l'autre côté en fait hein. Et t'es en train de te frayer un chemin. Stan, tu lui emboîtes le pas en fait hein. J'achève ceux qui sont par terre. Moi j'ai le fouet à la main et toujours dans mon délire je fredonne la musique de Castlevania. C'est pas possible. Allez avancez vite. Ta-da-ta-ta. Bah moi j'ai sorti ma rapière là et je suis dans le sillon des autres et s'il y en a un qui m'approche trop près je... Dans le crâne. Ok, hein, bah vu que tu avances à un moment, Josh, hein, t'en as un qui commence à te sauter dessus en fait. Ok, je réplique avec un coup de fouet direct. Et tu donnes un coup de fouet en fin de compte, hein. T'arrives en fin de compte à lui sectionner la main. Et il a eu un moment de recul, t'arrives à te dégager. Ha, Josh Belmont, mon gars. Dan, t'en as un qui te saute dessus et qui essaie de te mordre. Ah, donc bah je réplique à coup de sabre. Et tu le tranches en fin de compte, hein, tu lui tranches la tête, le faisant s'écrouler sur le sol. Hein. Camille, il y en a un aussi qui essaie de te sauter dessus en fin de compte pour te mordre. Réflexe rapière. Réflexe rapière, vas-y. Alors, c'est quoi, c'est arme blanche? Ouais. Ah, elle est pas rentrée. Bah, t'as 20 de base. Ouais. Mais ça va, parce que lui, il allait sauter à côté, hein, donc... t'as juste fait, et t'as Morgane, qui plante, en fin de compte, sa rapière dans le crâne de celui, justement, qui t'allait sauter dessus, hein. Allez, on y va, donzel. Donzel, vous en prime. Claudique, en fait, hein, en te prenant par le bras pour te faire accélérer. Sauvé par un vieillard. Peut-être que je suis lente aussi. Reinhardt, putain, ça craint une mère comme ça. T'en as un qui te saute dessus. Je l'envoie valser à coup de... Je le repousse, hein, c'est vraiment puissance uniquement, et je hurle. Et je l'envoie... Et tu le repousses sans problème en fin de compte, hein, et il va tomber sur deux autres, hein, les renversant tous les trois. Josh, celui à qui t'as tranché la main en fin de compte, qui essaye maintenant de venir te mordre. Hein. Il essaye de venir me mordre, bah pareil, je vais toujours répliquer avec un coup de... Ouais. Un coup de fouet, vas-y.
tu donnes un coup de fouet, t'as juste, voilà, tu fais un pas de côté, tout en faisant ton coup de fouet. Dans tous les cas, lui, c'est juste jeté au sol, hein, et donc t'as totalement loupé. Stan, il y en a un qui essaye aussi de te mordre. Même chose, je l'embroche. Et tu l'embroches sans problème, en fait, hein, et tu le repousses avec ton pied, une fois l'avoir embroché, hein, et il part au loin. Resserrez les rangs, allez. Camille. Oui. Il y en a un qui te saute dessus. Et ben là, je pète un câble parce que j'en ai marre, parce qu'on me prend trop pour une demeurée, là, ça me saoule, donc bah, je refais un coup de rapier. Avec un point d'héroïsme hein. Ouais, c'est là dit. Et en fait, et en fait tu tends ta rapière comme ça et puis il vient en fait qu'on s'embrocher directement sur ta rapière. Ok, bah du pied je le désembroche là et... Voilà, d'un coup de pied en fait tu le renvoies en arrière, hein. Mais vous voyez qu'il y en a toujours qui commencent à sortir de la boue, hein, des marées, tout ça, encore tout autour de vous, hein, et vous commencez à courir, hein. Tant en temps vous êtes accroché au niveau des vêtements, vous donnez un coup sur le côté, vous courez, hein, haletant, et au bout de très très longues minutes, hein, vous arrivez enfin à sortir de ce cauchemar, et vous commencez à voir au loin les lumières de Los Palacios. Putain, mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ce... Mais c'est... Ah, je veux rentrer chez moi! Qu'est-ce qu'on se marre, putain! Bah, moi, ça me fait pas marrer! Est-ce que tout le monde est en un seul morceau? A priori. On peut pas en dire autant de nos fringues? Ça a l'air d'aller. Bon, on n'a pas le temps de souffler. Que faisons-nous, capitaine? Eh bah, on va essayer de trouver des éclaircissements sur... sur ce qu'on a trouvé, sur cette fameuse énigme. Et comme vous le savez, Morgane, nous ne sommes pas originaires d'ici. Mais vous avez personne sur votre bateau, là, qui pourrait... Si, on va essayer de voir ça avec déjà mon second. Il pourra peut-être nous renseigner un peu, ou au moins avoir une piste. On va être méchant, Stan, je le sens pas bien. Ton... On vient de se prendre une attaque vaudou, quand même, aussi. Hein. Ouais, je le sens pas. Ton quoi, ça vous a vraiment étonné? C'était génial. C'est pas étonné, c'est plutôt effrayé. Ça va. On a déjà affronté bien pire que ça. Je crois que je préférais les tentacules. Est-ce que quelqu'un peut faire un clip s'il vous plaît, de cette phrase. J'avoue que titre là. Je crois que je préférais les tentacules. Hein. Titre. Donc, on va essayer de retrouver mon second. Mmh. Moi, ça me fait vraiment penser à une cascade, quelque chose dans ce goût-là, peut-être. Je ne sais pas. Une cascade qui cacherait une grotte, une entrée de quelque chose. Ouais, un truc classico-classique. On verra bien. Mais en tout cas, ça doit être à ciel ouvert. Ah, donc, vous retournez au Queen Elizabeth. Hein, quelques hommes hein, ceux qui sont encore là. Ah, vous voyez, ben... Il y a quelqu'un qui est en train justement de faire des réparations, en train de chantonner en fait. Hein. Je pense qu'il faut trouver un cimetière. C'est possible. Le prince et l'esclave se voient. Cimetière à l'instant. Ouais. Le prince et l'esclave se voient la face humble sous l'eau du ciel, honorant les deux puits, puis sont mis au tombeau. Ça montre que le prince et l'esclave sont égaux dans la mort et qu'en fait ils doivent être sous l'eau du ciel. Donc quand il pleut, enfin je sais pas. Quand il pleut dans un cimetière, il faudrait qu'on aille dans une tombe. Je sais pas. En tout cas, le charpentier qui est en train de faire des réparations sur le bateau. Oui. Il m'a l'air un petit peu exotique. On dirait un créole, si je ne m'abuse, non? Et tu vois ton second, hein, qui est pas très loin de la barre, hein, ouais. Avec tu vois, à côté un petit tonnelet de rhum, hein, et tu vois qu'il est en train de boire. Et tu vois, quand il te voit, hein, il pose. Capitaine ? Restez assis, cermez-moi un godet. Ouais, tout de suite, capitaine. Un de plus. Deux. Ok. Et c'est pour le vous ramène trois godets de rhum. C'est pas grave, le rhum, ça désinfecte. Là, j'ai besoin de boire. Je bois une gorgée, et... C'est... Il est. Ah bah, ouais, c'est du costaud. Hein, ah, il désinfecte. Ah, ouais.
Juste avant de boire le... De boire du rhum, comme ça, je regarde Stanislas avec un air un peu insolent, et je fais... Donc si j'ai bien compris, dans cette vie, t'es mon père. C'est une loi qui m'empêche de boire du rhum avant ma majorité, là. Ouais, prends donc une gorgée, vas-y. Cool. Et je vide la chope d'un trait. Ça réchauffe, hein, c'est... C'est pas celui que vous connaissez, hein, vous, à l'époque, hein. Je le sirote tranquillement, du bout des lèvres. Oh, sa mère, c'est costaud. Enfin, pas toi encore, hein. Dites-moi, Reed. Oui, Captain. Où est-ce que je pourrais trouver quelqu'un versé dans l'ésotérisme ? L'éso quoi ? Petit frère ! Ouais, Captain ! Et tu vois qu'il arrive ? Et c'était le charpentier. Dis-moi, mon gars, tu t'y connais dans tout ce qui est les connaissances occultes, magie noire et tout le toutim ? Ouais, je pratique un peu le vaudou, Captain. T'as déjà entendu parler de la Mambo et Erzuli ? Ouais, Captain. Elle est connue dans le coin. Eh ben, on a essayé de la trouver pour avoir 2-3 conseils sur quelques petites choses. Malheureusement, elle habite plus là où on l'avait indiqué. Ah. Et on est assez dans le pétrin, vous voyez ? Vous voulez que j'aille me renseigner, Captain ? D'une part, et d'une autre part, est-ce que ça te dit quelque chose, le prince, l'esclave qui se voile la face, humble sous l'eau du ciel, honorant le dieu de la pluie, puis ils sont mis au tombeau. Dieu de la pluie, ça c'est pas vaudou, Captain. Ouais, ça doit être Maya, Aztec, je ne sais quoi. Ah là, ça dépasse mes compétences, Captain. Je réfléchis un instant... Attends, le dieu vaudou de la pluie... Il me semble qu'il s'appelle Chak, quelque chose comme ça. En tout cas, si on peut avoir quelqu'un, si tu peux me trouver quelqu'un qui s'y connaît pour éclaircir un petit peu ce mystère... Ouais, Captain, je vais m'enseigner. Au plus vite. Je vais faire ça, Captain. Je donne une poignée de pièces. Il apprend et puis il se dirige vers la ville. Il reste discret. Ça soit un peu histoire de récupérer, s'hydrater aussi avec de l'eau, pour ma part. Et en ce qui concerne l'enquête, pas de nouvelles ? J'ai une piste. Ah. C'est sérieux Ouais, le bossu. Son second. Le second du cuisinier. J'ai vu un pigeon voyageur partir. Quand ? Je pense que c'est lui. Peu de temps après l'attaque des Espagnols. J'imagine qu'on sait qu'on est arrivé ici. Certains savent, en tout cas. Pour l'instant, j'ai pas encore de preuves formelles, mais... Il est sous surveillance. Et dès qu'il fait un faux pas, il sera à vous, Captain. Bien. Ça a rien donné, le fait de fouiller sa couchette ? Pour l'instant, non. Il a l'air plus malin qu'il n'y paraît. Ah, si je sais bien quelque chose, c'est que les petits bossus sont généralement très malins. Je regarde mes compagnons, je fais... Je serai mon souvenir. Comme un certain Arabas. Dis, Reed, tu te souviens s'il y a une cascade dans le coin ? Pas trop, non. Pas sur Cuba. Où ça ? Aussi. La plus proche ? Je sais pas. Peut-être plus au sud, dans les terres, mais pas sûr. Personnellement, j'aimerais bien me poser 5 minutes et essayer de réfléchir à ce que je sais sur le dieu de la pluie. Parce que, bon, techniquement, le dieu de la pluie, Maya, c'est Chak ou Tlaloc chez les Aztèques. Enfin, c'est la même chose, bref, je passe les détails. Mais est-ce que du coup, là, comme ça me dit quelque chose ? Est-ce que j'ai plus ample connaissance ? Parce que je sais que j'ai enfin, Josh, en tout cas, a un peu étudié... tout ce qui était l'occulte et un peu la mythologie. Donc éventuellement, si j'ai des infos. Fais-moi un jet de connaissances. Je me redresse un peu, je fais... Ouais, j'ai un peu réfléchi à tout ça, là.
le Maya, etc., les versets. Le truc, c'est que Popol Vuh, si j'ai bonne mémoire, c'est un genre de traduction de la Bible aztèque. Une traduction latine, je crois, quelque chose comme ça. Bref, toujours est-il que c'est assez dur à interpréter, comme pas mal de bouquins divins, j'ai envie de te dire. Et ça pourrait se référer à plein de trucs, mais par contre, il y a un truc dont je suis certain. Cette histoire de tombeau, là, et de dieu, ça se réfère à un temple maya. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et dans la région, je regarde Morgane, il y a un vieux temple, un truc ancien, des ruines. Il y en a plusieurs, des temples, hein, dans le coin. On n'est pas rendu si on veut faire ça en 48 heures. D'ailleurs, combien de temps il reste? Ce serait compliqué de savoir, hein, mais bon, c'est vrai que ça fait... demain, ça fera sûrement 24 heures, donc... Rouille. On va dire 16 heures à peu près déjà que vous êtes là, à la louche. Hein. Ouais, faut qu'on se grouille. Bah ouais, mais si on n'a pas d'informations pour savoir où on doit aller... Ouais, je sais, on peut pas avancer à l'aveuglette, c'est pour ça qu'il faut attendre d'avoir des infos, mais... Je comprends que ce soit stressant, quoi. Faut attendre le retour de petit frère, quoi. On peut checker toujours sur une carte des Draenart, des coordonnées. On va avoir une carte quelque part. Oui, il y a des cartes, hein, dans la cabine. Bon, on se pose dans la cabine, déjà on sera au sec, on peut faire sécher nos affaires, se mettre un peu plus à l'aise. Et puis, grignoter un morceau... En faisant goûter la nourriture au serveur avant qu'on la mange. Et voir, ouais, on se planche au-dessus des cartes. Alors, il y a plein de numéros, des machins, mais... Moi, j'y connais rien. J'imagine qu'aucun de nous sait lire une carte. En plus, c'était les cartes de l'époque, hein, donc... ça Renart, peut-être. Ce que vous avez l'habitude. Historien, là. C'est l'historien, ouais. Je suis prof d'histoire d'art, je vous rappelle. Je suis pas historien. Bah, c'est artistique, une carte, non? Oui. Dit-il avec une grosse hache dans la main. Et des tatouages partout sur tout le corps. Hein. Oui, mais c'est une carte dessinée à la main. Il n'y a pas, de toute façon, de référence à des chiffres ou quoi que ce soit. Et donc, moi, utiliser les sextants et compagnie, non. Je sais pas faire. Au bout de... d'une heure, à peu près... Il y a un petit frère qui tape à la porte. Capitaine ? Oui. Entrez, petit frère. J'ai des mauvaises nouvelles. Ah. Erzuli a été capturé. Par qui ? Il est emprisonné par Zabal. Pourquoi ? Je sais pas. Mais apparemment, elle est retenue au Fortin. C'est qui, Specno, encore ? Si, il nous en a parlé, Morgane, en arrivant. C'est le responsable taulier, du vieux. Ah. Voilà, c'est ça. Le gouverneur. Ouais. Oh. Le gouverneur. Eh bien, si on s'invitait. Ouais, on lui casse les dents et on en repart, c'est ça. Vous voulez attaquer de front? Pas vraiment. C'est Morgane, hein, qui vous dit. Hein, Non, attaquer de front, je pense pas que ce soit une très bonne idée. J'ai une gueule à mourir. Laman. Enfin, nice. Encore. Ce que j'en sais, le fortin doit être défendu par une vingtaine de pirates. Et il y aurait moyen de s'infiltrer ? Une petite porte de derrière, quelque chose ? Un passage ? Moi, je le connais pas. Mais j'imagine que vous avez beaucoup de ressources et que vous pourrez sûrement trouver quelque chose. Vous êtes bien confiant. A priori, si vous voulez mon poignard, il va falloir que vous déployiez beaucoup de ressources. Pas comme si on avait le choix, hein. C'est ça. Est-ce qu'on a une carte de la région, au moins, pour savoir si Morgane peut nous dessiner. Là, le fortin est là, nous on est là, machin. Une carte de fortune. Pour voir un petit peu, je sais pas moi, si on peut déplacer le bateau, pilonner le fortin, ou s'il se trouve au milieu des terres. Ce que je peux vous en dire, hein, c'est que le fortin est bâti sur un rocher, hein, et qui surplombe le port. Hein, donc en fait, de où vous êtes, vous le voyez le fortin. Hein, D'accord. En gros, c'est ce que vous avez sur l'image là. Hein, bon, un peu plus petit, hein, mais voilà, c'est ça. Hein, Puis entre nous, si on se déplace le bateau pour pilonner le fortin, ce sera plus vraiment discret.
Ouais, et puis on risque de tuer Arzuli en même temps, donc... Sinon, moi et Josh, on entre en tenue légère et on fait diversion. On créerait pas... Je me rappelle une méthode... Quand tu dis ça, je me retourne très lentement vers toi. Pardon ? C'est le désespoir qui parle, cherche pas. Tu vois ce que j'ai ressenti la dernière fois, Josh ? Et... Tu vois que je lève les yeux les yeux en l'air, l'air de réfléchir. Ouais, ouais, joue de tes charmes. Hein. C'est presque un bon plan, en fait. Bah oui. Ou sinon, on peut créer une diversion avec des tonneaux de poudre, on fait exploser un côté du mur et on rentre par l'autre côté. Non, ça va, le plan de cam est bien. Direct. Le plan de cam est bien. Moi, ça me va. Quoi, me regardez pas comme ça, hein. C'est ton corps, hein, après tout. Bah non, justement. Ah non, c'est pas bien, justement. Sinon, je le ferais pas. Ouais, mais je te rappelle que tu sens la douleur. Hein. Bla, bla, bla. Bla. Tu marques un point. Oui, mais non, en fait, c'est pas comme si j'allais faire n'importe quoi non plus. Non, ah, vas-y, ça, Cam, on fait ça. Nous, okay. Pendant ce temps-là, on peut... Et moi, je disais ça juste comme ça, vous savez. Pas moi, on y va. Nous, avec une barque, on pourrait essayer de tenter de monter... Par le côté. Par la mer, escalader les parois et... C'est pas une mauvaise idée, ça. Je dis à petit frère de préparer des grappins, du cordage, une chaloupe, toute discrétion. Tout de suite, Captain. Et je me retourne vers les deux gonzesses. Vous allez vraiment faire ça ? Morgan qui vous regarde, si vous faites ça, prenez du rhum. Pas pour vous, mais pour eux. Ah ouais, je pense aussi, ouais. Si vous arrivez à les faire suffisamment boire... Je sors la bourse. Prenez autant de prostituées que possible avec vous. Ok. Ok. C'est pourquoi je suis là, moi, j'en ai marre. Vous prenez beaucoup de rhum et puis... vous allez faire un show. En tout cas, mes préparatifs, c'est tenue légère, donc je laisse le grand manteau, le chapeau, tout ça. Toi aussi ? Moi aussi, c'est tenue légère. Ouais, mais moi, c'est pour escalader une paroi autre chose. Vous allez escalader ce que vous voulez, ça, je m'en fous. Donc, tellement de titres possibles. Stan Reinhardt, avec Morgan, vous prenez une barque et vous allez grimper. Pendant que Camille et Josh, vous allez chercher d'autres filles de petits pertus pour aller au fortin. La cousine vient pour... Okay. Et on prend petit frère pour qu'il reste, qu'il nous file un coup de main aussi dans le canot. Quoi. Ok, ça marche. Je vous invite à la soirée de l'année, les filles. Bon ben, Josh, Camille, on va commencer par vous. Hein, donc... Vous partez avec un peu d'or hein, dans les rues de Los Palacios. Hein. Alors, croisez pas mal de pirates et autres hein, fortement alcoolisés, en train de chanter. Et donc, vous cherchez les... Il y a beaucoup de tavernes et autres. Hein, donc, tourner des bars. C'est ça. On va jeter un coup d'œil dans la première taverne. C'est enfumé, ça sent le rhum et la transpiration et un peu le vomi aussi. Il y a les jeunes filles courtement vêtues, des pirates fortement alcoolisés, en train de dépenser leur or. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont l'air un peu moins occupés que d'autres ? De pirates ? Non. De jeunes femmes. De la fille. Il y en a. On va se diriger vers elle. Mm-hmm. Okay. Surprise en vous voyant. Salut ma jolie. Tu veux te faire un peu quelques pièces d'or ? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu nous accompagnes. On va aller divertir quelques pirates. Mm-hmm. Ah ben. T'as des copines ? Allons-y. Et il vous en faut combien ? Regarde Josh. Autant que possible. 5. Ça peut faire l'affaire. Ça peut être pas mal. Ok. Je vous retrouve où ? Devant le fortin. Laissez-moi une demi-heure.
te fait signe, hein, et donc vous sortez et vous allez attendre sur la route menant au fortin. Stanislas, Reinhardt, accompagné de Tifrer et Morgan. Hein. Tifrer qui commence à ramer dans l'obscurité. Vous avez une petite lampe hein, pour vous éclairer. Et donc, Tifrer qui commence à suivre, qui longe la côte hein, et ensuite arrive au pied justement de la falaise. Qui surplombe. Grappin à un corde que j'enroule. Mmh. Je commence à mon ascension. C'est casse-gueule, hein. Ouais, c'est un peu casse-gueule parce que ça c'est humide, il y a de la mousse de temps en temps et autres. Donc, je mets un torchon sur le grappin qui fasse un petit peu moins de bruit. Mmh. Et je le balance. Sans trop de problèmes, hein. Apparemment, il est bien agrippé. Je tends la corde à Reinhardt. Et t'es le plus lourd. Donc, si ça s'effondre pas, c'est qu'on pourra monter. Oh putain, c'est chiant. Je sais pas grimper, moi. Comment on fait déjà ? Souviens-toi de tes cours de PS. De P quoi ? Ouais, de PS. D'accord. J'essaye de... Utilise tes bras et tes jambes, vas-y. J'essaye de monter à la corde, du temps bien que mal. Voilà. Juste pour la conduite. Vous voyez, en train de grimper, en fait, hein, et tu arrives en haut. C'était plus facile que prévu. L'obscurité, hein, y a toujours cette petite fluine, hein, petite pluie fine, désagréable. Moi, je monte à sa suite. Je tire la corde quand je lui vois qu'il est agrippé. Je la remonte. Ok, en fait il t'aide, hein, et donc t'arrives facilement en haut. Et on la rebalance en bas pour Morgan. Et Morgan hein, qui commence à grimper également, hein, il a un petit peu plus de mal. J'aide aussi. Toujours sa jambe qui le fait souffrir hein, régulièrement, et avec ton aide, hein, il arrive, hein, et donc vous êtes tous les trois en haut. Pendant ce temps, Camille, Josh, hein, vous êtes rejoints par les autres filles, hein, donc... Elles sont 5. Elles sont mignonnes. Ouais. Parfait. En route, mauvaise troupe. Allez. Allons-y. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Jusqu'où tu peux aller. Vous approchez, hein, vous voyez. Les portes du fortin qui sont même pas fermées en fait, hein, et vous approchez et une lumière à un moment. Qui va là? T'inquiète pas, mon chou. On vient voir Arzabal. On nous a envoyé pour le divertir. Une belle compagnie. Je suis pas au courant. C'est une surprise. T'inquiète, tiens. Tu veux boire un verre encore? Dis-moi juste où il est. Ouais, je veux bien. J'ai la gorge sèche. Tiens, vas-y, bois. Une lampe, c'est... merci bien. On peut le trouver où, Arzabal, alors? Tu nous montres? Ouais, il est pas là, Arzabal. Il est pas là. Il est parti. Ah, il est parti. Il est parti où? Ouf. J'ai la gorge sèche. Tiens, prends-en encore un petit peu. Dis-moi tout. T'en auras d'autres après. Il est bon, hein? Oui, j'avoue, il est bon, hein? Et tu vois, il y a une des filles qui vient, qui commence à la guicher un petit peu. Commence à s'acoquiner un petit peu en fait. Vous voyez qu'il était déjà passablement alcoolisé. Hein, ok. Avant que tu lui donnes à boire. C'est parfait. Tu sais où il est parti, Arzabal ? Je sais plus. Rappelle-toi. J'ai pas envie de me rappeler. Hein. Moi, je vais te donner envie de te rappeler. Ah bon, et tu comptes faire comment ? Tu le verras. Dis-moi, et on verra. Ah non, moi je me rechante pas comme ça. Je les connais, vous, hein. Vous faites tourner la tête, et puis après, il n'y a plus personne. J'ai déjà fait avoir comme ça. Mon pauvre chaton. T'étais malheureux dans la vie. J'observe et je prends des notes, hein, moi, derrière. Cette maîtrise de manipulation. On dirait que t'as fait ça toutes tes autres vies. Oh, merci.
J'ai l'impression que c'est instinctif. Elle est belle, la libraire. T'imagines pas ce qu'elle doit faire. Hein. Eh, vous savez que je suis libraire, c'est tout ce que vous savez. Hein. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Ça se voit que je suis une coquine. Vous, voilà, dans Stan, Reinhardt, hein, avec Morgan, vous remarquez qu'en fait, oui, bah, les... en fait, tous les gardes qui sont là, tous les pirates qui ont l'air là, hein, il n'y en a pas beaucoup hein, dans le fortin. Et ils semblent tous passablement alcoolisés. Hein. Le plan, c'est de localiser Erzuli et de la faire évader. Ça doit être la tour. En toute logique. Vous avancez le long du chemin de ronde, descendez une échelle, et là, vous arrivez bah, devant la porte de la tour. Hein. Et vous voyez, il y a bien un garde. Hein. Et vous voyez, il est là, tête sous un chapeau, et vous en... Eh ben, on essaie de lui choper les clés, s'il en a. Tu vois qu'il en a, oui. Alors, on va essayer de décrocher ça. Est-ce qu'il y a une bouteille de rhum à côté ou quelque chose? Ouais. Ouais, donc je la saisis. Et de l'autre main, donc j'essaie de prendre les clés qui pendouillent. Ouais. D'un coup, j'ai un élan, je prends ma main et je prends ma main sur sa tête et... Bah ça passe. Il est vraiment très puissant. Ouais, pour une fois. C'est vraiment... On dirait moi la dernière fois. Là, tu récupères les clés, en fait. Et je lui mets sur ses bras la bouteille. Il en aura besoin, à mon avis, quand il se réveillera. Il saura pourquoi t'as mal au crâne. Je veux pas rester ici plus longtemps. T'es grouille. Faisons preuve de subtilité. Donc, j'aime bien ça, le Shad. Ouvre la porte. Ouais. Et donc, vous entrez. Vous voyez des geôles, hein, vous commencez à chercher, première cellule, tac. Et au bout de la troisième cellule, elle est là. Et tu vois, Morgan qui chope les clés, en fin de compte, hein, qui commence à ouvrir la porte. Et qui vient tout de suite, en fin de compte. Erzuli, c'est moi. Et vous la voyez, en fait, hein, elle est très faible. A priori, elle est pas nourrie depuis plusieurs semaines, depuis qu'elle a été capturée. Pas d'eau, rien du tout, hein. Et elle est aux portes de la mort. Elle est à demi morte. Il y a de l'eau quelque part. Je regarde. Elle ouvre les yeux. Morgan. Orzabal. Il veut ton trésor. Il s'est allié avec les Espagnols. Je l'ai caché. Au Yucatan. Attention. Ah. Pas de trésor sans le grimoire. Les démons. Et elle rend son dernier souffle. Et là, vous voyez, en fait, hein, Morgan commence à serrer les poings. Ah. Maudit soit l'or! Maudit soit le destin! Les Espagnols, je les coule! Et les démons, j'en suis un! On va trouver votre trésor! On va trouver votre poignard! Et Orzabal, je vais l'égorger! Et vous voyez qu'il se relève en fin de compte, hein, et vous avez l'impression qu'il a retrouvé toute sa vitalité suite à ça, en fait, hein, et ses yeux, en fait, hein, sont remplis de rage. Eh bien... Je fais juste un hochement de tête. Et éventuellement, je l'aide à porter... À la porter, s'il veut emmener le corps, je sais pas. Mmh. Ouais, bah vous emmenez le corps. Hein, Et puis... Bah on va repasser par là où on était parti. Enfin, là où on est arrivé. Ok, ça marche. Hein. Donc vous reprenez, vous remontez cet escalier, repassez le chemin de ronde. Hein. Et bon, après, on va ellipser un peu. Hein. Vous arrivez à ramener le corps en fin de compte, hein, que justement Morgan a enveloppé dans des linges. Mmh. Et vous le ramenez au niveau du bateau.
Toi, Camille, Josh, au moment où vous regardez du coin de la tête, hein, et il vous semble avoir vu vos compagnons repartir dans l'autre sens avec un colis. Ok. Bah, si les pirates du fort sont un peu occupés avec nos camarades. Oh, moi je voudrais savoir avec combien d'hommes il est parti tout ça, donc je vais essayer de l'interroger en lui promettant les filles, toutes les filles là, sauf nous deux. Diablesse. Bah là, ils sont déjà en train de s'amuser avec, hein. Ah ouais, ouais. Bah oui, parce que du coup, ça a attiré tous les autres pirates. Ils sont impatients, les copains. Voilà, donc, vous repartez vers le bateau. Donc, le temps que vous faites ça, hein, Stan, Reinhardt, accompagné de Morgane, hein, vous arrivez sur le bateau. Vous voyez que Morgane est très précautionneux par rapport au corps. Hein. Tu l'aides, hein, mais tu vois qu'il est très précautionneux. Et pour aller acheter en mer. Vous voulez pas lui donner une tombe? Je pense qu'elle aurait pas voulu de tombe. Très bien. Comme vous voudrez. Je guette un peu. Je suis sur le quai, j'attends les filles. Mmh. Bah, tu les vois arriver quelques minutes après. Je leur fais un topo de ce qu'on a vécu. Vous avez eu des informations? Rien, plus, à part qu'Orzabal est déjà parti. Je vais lancer quelques matelots, s'ils sont encore là, pour avoir des informations dans les tavernes, pour savoir où est-ce qu'ils seraient partis, cet Orzabal, en quelle direction. Bah, à mon avis, on le sait. Hein. Il est tard, hein, donc... C'est que là, t'auras plus trop d'infos. Hein, parce non, que... mais je pense qu'il est parti chercher... Il y a Yucatan, c'est ça? Au Yucatan. Au Yucatan. Ouais, mais c'est grand, le Yucatan. Elle a dit autre chose. Pas de trésor sans le grimoire. Donc, il y a un temple connu, bien, sur le Yucatan. Oh, il y en a plein, même. Il y en a un paquet. Eh ben, on n'est pas très avancé avec ça. Je me tourne vers Morgane. Vous connaissez bien le Yucatan, vous savez de quel endroit elle parlait? Je regarde vers notre expert en occultisme. Yucatan, dieu des morts, ça ne te dit rien, Josh? Rappelle-toi de tes cours. Bah, je réfléchis, est-ce que ça me dit quelque chose? Bah, pas plus que ce que je t'ai dit déjà tout à l'heure, hein. Dieu des morts, Yucatan, dieu des... Oh, il parlait aussi dans la Bible de la bête écailleuse. Ouais. Est-ce que ça me parle? Le déluge sur des nuages par la bête écailleuse. Tu reprends le pop-up, vous, hein, bah vas-y, fais-moi un jet d'intuition. Intuition? Ça ressemble. Ouais. Ça ressemble au déluge. Ouais, vaguement. Intuition. Point d'héroïsme. Ah bah, t'as bien fait. bah en fait, hein, tu reprends, et puis c'est vrai que t'as peut-être pas forcément fait attention, mais tu. La couverture, en fait, est vachement épaisse pour toi. Ah. Est-ce qu'il y a... Quand je passe mes doigts autour, notamment, est-ce qu'il y a moyen de genre l'ouvrir en deux? Est-ce qu'il y a un genre de... Là, tu ne vois pas, mais peut-être que ça a été... Recollé. Ça a été collé ou autre, recollé. Est-ce que j'ai moyen de... De trouver genre une espèce de peut-être de petit couteau pour essayer de l'ouvrir en deux. Oui, ça sans problème. Voilà, bah je fais ça du coup. J'essaye de l'ouvrir en deux. Dans l'épaisseur, ouais. Ouais, dans l'épaisseur, c'est ça. Et tu trouves ce que je viens de vous mettre. Ah, là on tient quelque chose. Et tu vois que il y a en fait un endroit qui est indiqué. Une croix. Voilà, c'est ça. Alors, allez vers où cette croix? Elle est où, Yucatan? Bah, je reprends les cartes et je dis Yucatan, c'est loin, Morgane? Quelques heures en mer. On n'a pas de temps à perdre. Vous voulez partir avec quel équipage? Putain. Avec celui qu'on va trouver. À cette heure-ci, vous aurez plus de chance à l'aube. Hein. Mais vous savez que... C'est pas avec votre bateau qu'on risque d'affronter les Espagnols, hein. Ah, ici, vous pouvez trouver de l'aide. Eh ben, je crois qu'on va devoir lever une flotte de pirates.
Ouais, ça, ça me plaît. On va faire un maximum de bruit. Très bien. T'es bon, sérieux, là ? Je le regarde avec des grands yeux brillants. Va falloir, si... S'il y a les Espagnols dans le coup... Génial. Un seul navire ne suffira pas. Va falloir préparer un petit discours. Reed, il va falloir rameuter autant que possible. Le but étant la chasse à l'Espagnol et à la clé, un trésor monumental. Ah, c'est noté, Captain. Je vais accumuler les trois rats ici pour vous trouver la meilleure flotte que Los Palacios peut vous donner. Et ben, on va s'en contenter. Après avoir vous êtes reposé malgré tout quand même quelques heures, hein, l'aube arrive et votre équipage est sur le pont, hein, prêt à appareiller. Se tape à la porte du capitaine. Donc, oui. Porte, hein. Capitaine. Oui. On a le traître. Amenez-le nous. Et donc, bah, il te le ramène, hein, et donc, bah, c'est, bah, il le pousse à l'intérieur, hein, et donc, bon, vous le connaissez pas, hein, mais c'est le second du cuisinier. On l'a retrouvé. Il était en train, avait l'intention d'envoyer un message, hein, hein, foutu traître, et lui donne un gros coup de pied. Alors, dis-nous tout. Envoyer un message à qui ? Aux Espagnols. Pourquoi ? Pour que vous ayez pas le trésor, foutu chien d'anglais. T'en fais un beau de chien. À la botte des Espagnols, comme ça. Qu'est-ce que t'as envoyé comme message ? Là, il n'a pas pu l'envoyer. On l'a intercepté avant, Captain. Vous l'avez, ce message ? Et tout le temps. Et donc, bah voilà, hein, c'est écrit départ à l'aube, direction Yucatan. Attendre B, Yucatan. Attendre B à la baie. Attendre Yucatan. À la baie du Yucatan, voilà. Eh bien, moi je prends un papier similaire. Oui, c'est ça. Tu leur envoies un faux message. Voilà. Je pensais la même chose. Maintenant, tu vas écrire que effectivement, on est parti à l'aube, mais pas dans cette baie-là, dans une autre baie. Ok, bah. C'est ce qu'il fait. Et donc, tu vas envoyer ce message sous la supervision de Reed. Et puis, on va te garder au fer. Et puis, on verra ce qu'on fera de toi après. Une fois qu'il a fait le message, hein, Reed le prend par le callback. Allez, avance, foutu traître. Bien joué, Reed. Merci, Captain. C'est du bon boulot. Tout le monde est pareil. On a réussi à ramener combien ? Combien de navires ? Trois bateaux. Trois bateaux ? Ouais. Tous armés. C'est des pirates, bien sûr qu'ils sont armés, Captain. Bien. Ils ont juste un tout petit peu de retard par rapport à nous, si on apparaît de suite. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Très bien. Alors, larguez les amarres. Très bien, Captain. Vous deux, vous le mettez au fer, celui-là. Tout le monde sur le pont. Larguez les amarres. Sortez les grands voiles. Allez, on quitte le port. Et donc, vous entendez le grincement caractéristique, hein, et le bateau qui commence à prendre la mer. Ouais, je suis à côté de la barre. Cheveux au vent. Je me coiffe de mon tricorne. J'ai juste les pistolets. Je regarde l'horizon. Vous prenez la mer, hein, donc vous avez en plus vos voiles gonflées par le vent, hein, alors que vous avancez sur l'eau, hein, et au loin, en fait, hein, galion espagnol. Vous entendez la vigie qui crie « Galion espagnol !» À vos postes de combat. Quatre galions. Ça va bien se passer. On peut passer à travers... Bien se passer comment ? Vos ordres, capitaine ? On défonce le cap pour l'instant. Maintenez le cap pour l'instant. J'ai un coup d'œil vers Morgane.
Je m'approche de lui. Une idée de manœuvre. On est sous le vent. Faut y aller. À mon avis, faut faire une percée. Et si les autres sont là, on pourra en descendre quelques-uns. Et ils nous attendent pas. Il faut garder cette allure. Je m'en remets devant. Je dis, jetez-moi à la mer tout ce qui sert pas. Chargez-moi les canons à bâbord et à tribord. On fait une percée toute voile dehors. Et à nouveau, hein, Bosco qui répète, allez foutu, allez-y, capitaine de la manœuvre. Et donc, il commence à jeter ben, les canons que vous aviez pris hier, hein, donc, qui sont superflus, qui commencent à être jetés par-dessus bord, les boulets superflus, et ainsi de suite. Hein. Garde évidemment ce qu'il faut, malgré tout. Hein, et tu vois, même Robert, jetez-moi ce rhum par-dessus bord. Il y en a qui... Non, jette-moi le rhum. C'est superflu. Voilà, hein, et donc, commence à jeter le rhum. Hein, et... vous entendez à la vigie « Navire pirate à l'arrière !» Et donc, vous voyez trois navires pirates hein, qui sont derrière également, hein, toute voile dehors, hein, alors que vous commencez à avancer vers les galions espagnols hein, qui commencent, eux, à faire leur manœuvre hein, pour justement se mettre de flanc par rapport où vous arrivez, hein. Sauf que vous arrivez bien trop vite hein, par rapport à leur manœuvre. Hein. Et vous arrivez à ce moment-là, chargez tous les canons. Morgan qui te dit ça. Vous êtes pareil à faire feu. Canons chargez tous et les canons. Et donc les canons qui sont en train d'être chargés, hein, alors que vous avancez et vous arrivez au niveau. Allez, feu. Les canons qui commencent à partir en fin de compte, hein, les boulets qui partent de tous les côtés. Vous voyez que les Espagnols s'attendaient vraiment pas à cette manœuvre hein, et commencent à être attaqués par l'arrière en fait, hein, eux. Et donc peuvent même pas dire de riposter alors que vous passez entre les deux et les pirates qui leur foncent dessus juste derrière. Hein, et vous commencez à passer au niveau de la baie. Vous voyez qu'il y a encore un autre galion mais qui lui est... arrêter dans la baie, en fait. Je crois qu'on va avoir de la compagnie. C'est un galion espagnol ou c'est un galion différent? Il est un peu différent. Il a l'air pirate? A priori, c'est celui d'Orzabal. Ok. Rechargez les canons! Et feu à volonté! Rechargez les canons! Sur ce galion! Barre à bas bord! Robert, en fait, compte, hein, qui commence à faire un grand coup, et donc tourne, et vous commencez à pilonner le galion espagnol, hein, les canons qui commencent à cracher leurs boulets hein, sur le galion, et la vigie qui fait « Y a personne sur ce galion !» Eh ben, au moins, on leur a coupé leur retraite. On accoste. Et donc, bah, vous faites la manœuvre d'accostage, hein, et vous arrivez au niveau de la baie. Eh ben, c'est parti, mes pieds à terre. Vous descendez, vous arrivez sur la plage, hein, tous ensemble. Et s'étend devant vous, en fait, hein, une forêt luxuriante. Allez les hommes, sabre clair, et taillez-moi un passage là-dedans. Plusieurs hommes hein, qui sont sortis avec vous hein, et commencent à avancer sabre clair. Hein, et donc, vous suivez les indications de la carte. Vous avancez dans cette jungle, hein, luxuriante. Traverser est assez difficile, hein, et donc vous continuez à avancer. Il vous faut une bonne heure hein, pour avancer là-dedans. Hein, il fait la moiteur hein, végétale, vous entendez des chants d'oiseaux inconnus aux alentours, et l'expédition progresse. Hein, et vous arrivez en fait jusqu'à... une ancienne ville, totalement recouverte de végétation. Toi, Josh, hein, et d'autres qui s'intéressent peut-être un petit peu, vous reconnaissez des structures mayas caractéristiques. Hein. Et au centre, justement, hein, couvert de végétation, vous voyez ce temple, en fait.
Okay. Est-ce qu'il y a d'animation ? Pour l'instant, vous voyez aucune animation, mais par contre, vous voyez beaucoup de traces de pas et des traces de sang aussi au sol. J'envoie deux éclaireurs pour sécuriser la zone, tandis que nous, on avance. Commence à sécuriser, hein, et au moment où t'entends des cris « Ah ! Ah ! » Ça vient d'où, ça ? A priori, là où t'as envoyé tes éclaireurs. Oups. Et faut aller là-bas, c'est ça ? Ouais. Allez, on se regroupe. On est attendu. Et à un moment, un des éclaireurs revient. On est tombé sur Orzabal. Ils sont combien ? Ils sont 5. Eh bien, on te suit. Vous suivez, hein, et puis... Vous retrouvez en fin de compte, hein, ben, vous voyez Orzabal avec 5 soldats espagnols, hein, leurs vêtements sont déchirés. Orzabal, en fin de compte, qui est les yeux grands ouverts, en fin de compte, et un filet de bave qui coule sur le côté de sa bouche. C'est ça, Orzabal ? Il en reste. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on voit ? Parce que c'est pas normal, ça. Je m'approche d'Orzabal. Il est blessé. Il a l'air blessé et complètement ailleurs. Je m'entends vers l'éclaireur. C'était quoi ces cris alors ? Il y a eu d'autres éclaireurs qui sont jamais revenus, hein, par contre. Ouais, mais ils sont où les autres alors ? Les éclaireurs, ils sont pas tous partis ensemble, hein. Ah. Ils sont séparés, justement. Voilà. Okay. Donc, interroger les Espagnols, je m'occupe du capitaine, enfin d'Orzabal. Je lui fous quelques baffes. Mm-hmm. Je l'encolle. Hey! Celui qui est toujours complètement hagard, en fait, hein. Et vous entendez du bruit qui vient de derrière. On se retourne. Et vous voyez en fait hein, certains de vos hommes qui sont à terre. Vous voyez des guerriers, hein, plusieurs comme ça qui sont en train d'attaquer à l'arrière. Hein. On a attaqué ! Repliez-vous ! Formez un cercle ! Et sortez vos armes ! Cercle commence à se battre de tous les côtés et tout ça. Hein, et Morgane qui se tourne vers toi. Votre foutu poignard, il doit être là-dedans. Laissez-moi faire. Je lui pose une main sur l'épaule. Je fais... C'est aujourd'hui que vous allez concrétiser votre légende. Foutez-moi le camp ! Allez, m'en occupe. On y va. Et donc, vous commencez à courir, hein, justement, vers le temple, hein, vers le temple Maya. Vous montez les marches, en fait, hein, de ce temple. Hein. Et là, vous arrivez devant une entrée décorée de fresques honorant le dieu pluie. Ouais, la phrase. Restons l'honneur de Tchak, on est déjà là. On est bon. Josh, c'est bon endroit. On te suit. Yes, c'est ici. Alors, je m'arme de mon fouet et je passe devant, effectivement. Moi, j'ai pistolet et sabre. La même. Ok, ouais, ça marche. J'ai la hache. Ok, t'as la hache. Hein. Et donc, vous rentrez. Hein, donc, Josh en premier, Stan, Camille, Reinhardt. Hein, c'est bien ça, l'ordre de marche. Ouais. C'est ça. Yep. Ok, vous commencez à avancer. Hein, et vous allez tous me faire un jet d'endurance. Vous entrez en fait, hein, et c'est vrai que quand vous respirez, vous sentez que l'air est chargé. Vous ne sauriez pas dire comment, hein, mais très rapidement, vous vous rendez compte que c'est un labyrinthe à l'intérieur. Oh non, je déteste ça. Mettez des foulards. Je prends un foulard, j'essuie ma sueur, je le mets autour de ma bouche et de mon nez. Pareil, ouais. J'imite. Ok. Moi, je prends mon bandeau. Et respirez lentement. T'as une idée, Josh ? On utilise la fameuse tactique des labyrinthes. Tu parles de celle qui dit toujours aller à droite ? Ouais. Est-ce qu'il y a des dessins, des fresques sur les murs du labyrinthe ? Non, là, les murs sont à nu. Ah. Est-ce qu'on a une indication dans le grimoire Justement, non, c'est pour ça que je cherchais. C'est l'esclave, se voit de la face, simple, l'eau du ciel, honorant le dieu pluie, puis s'en mis au tombeau. Le déluge sort des nuages. Est-ce qu'on entend un bruit d'eau ?
Non. Non. Il va peut-être falloir se baisser. Puis on s'est voilé la face. Il va falloir progresser. Est-ce qu'en tâtant le sol, il y a l'air d'avoir quelque chose? On se concentre à un courant d'air entre deux dalles de pierre, peut-être. Là, vous pouvez avancer. Hein. Vous avez différents couloirs devant vous. Ok. Bon, alors, bon, ouais. je garde quand même une main un peu vers le sol pour essayer, si besoin, un éventuel courant d'air. Tu avances à tâtons, en fait, ouais. C'est ça? C'est ça. Bah, okay, hein, donc... J'allume une lanterne. Ok, ça marche. Donc toi, Josh, hein, tu ouvres la marche hein, et tu avances à tâtons. Hein, et puis à un moment, en fin de compte, tu avances. Hein, et puis hop, il y a une dalle en fin de compte qui se dérobe sous ta main en fait. Hein, et ouvrant sur une trappe. Vous ouais, éclairez en fait. Hein, et vous voyez que y a des pics en bas. Des pièges, évidemment. Restez prudent. Vous continuez votre progression. Hein. Alors c'est long. Vous perdez la notion du temps, hein, vous tournez un moment à droite, à gauche, hein. Vous êtes très rapidement perdu, hein, parce que des fois il y a des couloirs, des fois il y en a d'autres, vous suivez le même mur, j'imagine, hein, comme tactique standard, hein, et au bout d'un certain temps, vous sauriez pas dire combien de temps, vous arrivez dans une immense salle, au cœur de ce labyrinthe, hein, et voyez des frises, hein, qui représentent des sacrifices de milliers de victimes en l'honneur d'un monstre caché dans les nuages. Mmh. Encore. Encore des sacrifices. Ils connaissent, hein. Comment ça devenir spécialiste. Vous voyez que des représentations aussi hein, de l'apocalypse maya. Sept têtes sculptées qui émergent des nuages au plafond. Hein, et serpent à plumes, un poisson cornu, un dragon tentaculaire, un démon, un iguane. Un crocodile, un jaguar qui sont là. Et donc vous êtes là à l'entrée de cette immense pièce. Attends. Et la bête écailleuse, c'est laquelle? C'est le crocodile? Le serpent, c'est Kukulkan. Le poisson, ça pourrait être une incarnation de Tchak. Le jaguar, c'est Xibalanké. Les autres, par contre, je sais pas. C'est vraiment des dieux mayas, ces trucs? Vous avancez dans la pièce? Ouais, mais en faisant toujours attention aux pièges. Le déluge okay, sur des nuages marche, hein. Par la bête écailleuse, noyant le temple. Vous avancez dans la pièce, hein. Il y a quelques marches hein, qui descendent, hein. Vous marchez, tout ça. Vous avancez, bah, toi t'es toujours attendez, prudent. Attendez, hein. attendez. La dernière fois qu'on a été dans une pièce comme ça s'est refermé. Et juste au moment où tu dis ça, en fait, compte, hein. Il y a une dalle qui se... Et les portes qui se referment, en fait, compte, hein. Et de l'eau qui commence à se déverser du plafond. Je déteste avoir raison. La bête écailleuse, c'est laquelle? Attends, parce que d'abord, il faut honorer le dieu de la pluie. On n'a pas encore fait ça. L'eau le dieu de la pluie, c'est Tchak. Il y a un tombeau ou pas, quelque part? L'eau monte très rapidement. Bon, Est-ce qu'il y a un tombeau? Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce, exactement? Ben, je viens de vous la décrire. Hein. Je vais vers l'une des têtes, tête de dragon. Il y a une tête de dragon? Oui, il y a une tête de dragon. Bon, alors. Je vous ai dit, il y a un serpent à plumes, un poisson cornu, un dragon tentaculaire, un démon, un iguane, un crocodile, un jaguar. Le poisson. Bon, moi je prends le dragon. Tu abaisses la tête du dragon, hein, et l'eau commence à s'évacuer de la pièce. Ah. Des fois, j'aime bien. De mur qui commence à s'ouvrir, hein, et vous voyez dedans. Un tombeau et un énorme trésor. 5 énormes coffres de joyaux et d'or et le poignard. Ok, bah... C'est qu'il y a d'autres pièges que... Ça a l'air piégé ou pas? Tu regardes, tu vois rien. Je mets bien le machin et je dis à voix haute. C'est qui a le cube déjà? Ça doit être moi. Bah, le cube, c'est toujours Camille hein, qui l'a. Mm-hmm. Hein. Pêche-toi, va chercher ce putain de poignard qu'on sorte de là. Ok, Camille, tu chopes le poignard, tu cognes vite le cube avec et on rentre. D'accord, vous voulez que je rentre là-dedans? Et tu fais ça, ouais, tu fais ça le plus vite possible. Je t'accompagne, je vais avec elle. Bah je trottine vers le poignard. Non, marche doucement. Voilà. Vous pénétrez tous les deux dans cette pièce. Tu prends Renard, le poignard.
Renard, t'es prêt à agir, hein? Tu prends le poignard et tu vois qui est lui, alors que tu le rapproches du cube. Ok. Et je respire tu pas. Le poses sur le cube. Faisceau bleuté qui commence à vous balayer. 0 heure. 0 minute. 2 1. 0 seconde. Excuse 2. Compte à rebours terminé. Retour enclenché. Et vous commencez à être pris dans un maelstrom. Et là, vous avez une vision fugitive. Vous voyez un homme. Un homme avec un large sourire. Mais il semble pleurer en même temps. À la barre du Queen Elizabeth. Voguant vers son dernier voyage. Le capitaine Morgan. Et vous êtes aspiré par le maelstrom du temps et de l'espace. Alors que vous sortez de ces corps d'emprunt. C'est ainsi que se conclut l'épisode 6 du Réseau Divin.